Bonjour, Media Jam, nous sommes samedi, deuxième round. Vous avez décidé de ne pas chasser les Pokémon au Jardin des Plantes. Vous avez préféré regarder Twitch, les avancements de notre Game Jam politique, et vous avez bien choisi. Donc je rappelle un petit peu le contexte de cet événement. Je suis dans les locaux de Mediapart, et sur Twitch, c'est incroyable, monde moderne. Et nous avons décidé avec le collectif Label, Mediapart, de créer une Game Jam, donc ces sessions de 48 heures durant lesquelles des développeurs se réunissent pour fabriquer un jeu, mais en intégrant cette fois-ci un journaliste de l'équipe de Mediapart pour faire des jeux politiques. Nous avons également inclus dans chaque équipe un jeune étudiant de l'école des Gobelins ou de l'école Estienne pour donner une approche graphique peut-être un petit peu différente. Et hier soir, on vous donnera le lien, nous avons présenté très sommairement quelques projets, les esquisses des projets et également les intentions thématiques politiques. Et aujourd'hui, ils ont travaillé toute la nuit. Moi, j'ai bien dormi, mais pas eux. Et on va les recevoir un par un avec les journalistes et ils vont nous expliquer où ils en sont. Est-ce qu'ils sont désespérés? Est-ce que ça se présente très très bien? Est-ce qu'ils ont un hit dans les mains? Est-ce que leur jeu va changer la configuration du jeu vidéo politique français qui n'existe pas? Donc forcément, ça va donner des choses extraordinaires. Et on va commencer avec... petite anecdote d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais le live n'a pas commencé à 14h, mais à 14h03. Pourquoi? Parce que la première équipe que je reçois, c'est Le Cortex et Fred. Et Fred m'a dit, pas de problème, je serai là à 14h. Et à 14h02, il n'était pas là, bien entendu. Donc là, il est là, enfin. Tout le monde l'a attendu, toute l'équipe de Mediapart l'a attendu. Nous recevons Fred, nous recevons Mathilde aussi. Bonjour Mathilde, voilà. Mathilde qui, depuis hier soir, est appelée la meilleure journaliste de Mediapart. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a qu'un micro pour vous deux, et il faut le mettre à 5 cm, voilà. Donc, oui. Alors, votre jeu, est-ce qu'il a un nom? Oui, alors avant cela, j'aimerais quand même rétablir la vérité. Le retard ne nous est pas du tout imputable. Oh, il s'agit bien d'un problème de fibre. Mais... On n'a pas dit que vous étiez chez Pizza Flamingo. Oui, alors... Oui. Effectivement, merci, on discutera ça plus tard en rompaine. Donc, alors, votre jeu, où en est-il? Déjà, il s'appelle comment? Il s'appelle Politique, l'élection. Politique, 2 points, l'élection. Oui. D'accord, très bien. Ou pas. Ou pas. Mais bon, ça peut. Ok, c'est bien parti? C'est très bien parti. D'accord. Est-ce que demain soir, je vais pouvoir jouer à Politique, l'élection et peut-être gagner? Je pense. En tout cas, toute l'équipe travaille d'arrache-pied sur les contenus, déjà, puisque Johan, le game designer, a déjà... définir un gameplay qui tourne et on est tous derrière lui à suivre les recommandations et toute l'équipe notamment le graphiste ouais, qui fait pas que des graphismes qui cherche aussi des informations D'ailleurs sur vos écrans ne s'affichent pas du tout les graphismes de l'équipe parce qu'ils sont comme ça arrivés en retard, on les a pas encore eu mais ils vont peut-être arriver durant l'interview, j'essaie de faire durer. C'est pas que de ma faute hein. Bon, mais je crois qu'on a quelques copies d'écran qui vont arriver. Qui pourraient arriver. Voilà. Alors, rappelons un petit peu le concept du jeu. Le concept. Alors, il s'agit d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes dans lequel on a un candidat et on joue contre un autre candidat, l'objectif étant de réaliser un score aux élections. Donc, pas forcément de gagner les élections, mais déjà d'atteindre des objectifs, parce que pour gagner une élection, déjà, personnellement, il faut atteindre des plafonds comme 5% pour avoir droit à des remboursements de la part du gouvernement, etc. Donc, il y a toute une mécanique qui est exposée de comment fonctionnent les élections en France, présidentielles, notamment, et quels sont les objectifs primaires, gagner les élections, secondaires, atteindre un certain score afin d'avoir des remboursements, tertiaire, réussir à ménager un maximum d'argent pour aller le plus loin possible avec le capital qu'on a en termes de communication, en termes d'image de marque et de représentation. Est-ce que ces modalités de mécanique de règles, ils viennent de Mathilde? C'était Mathilde qui a dit, mais vous savez, à partir de 5%, on est remboursé. Alors en fait, clairement, Mathilde, d'accord. Moi, je la découvre pour la première fois, parce qu'on n'a pas encore travaillé ensemble. Non, pas du tout. Oui, effectivement, en fait, on a discuté avec Mathilde, et on a pu définir, d'après son expérience et son niveau de connaissance, qui est très très élevé, on peut le dire,
On a pu définir des règles et un ensemble d'éléments qui sont intéressants dans le gameplay. Est-ce que c'est, on peut dire, on est dans le cadre d'une simulation, puisque on est alors dans le cadre d'une simulation. Alors oui, on a, ça a quelque chose de la simulation puisqu'on essaie de coller le plus possible à la réalité. Mais par exemple, faut pas s'attendre à trouver la carte partie UMP. Ce qu'on va trouver, c'est un ensemble d'idées, dont celle de l'UMP, par exemple. Qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Hein, non, les Républicains, on ne peut pas m'y faire, ils ont volé un nom. Non, alors, dont celle de l'UMP, je vais continuer comme ça. Et donc, on a des concepts, des idées, des grandes idées qui, si on les réunit sur la table en termes de cartes devant soi, peuvent reconstituer ce parti, mais il n'est jamais nommé précisément. Alors, si moi, je n'y comprends rien, et je n'y connais rien à la politique française, et que je joue à ce jeu, est-ce qu'à la fin de quelques parties, quand je commence à gagner, je commence à comprendre comment ça marche. Effectivement, l'objectif principal de jeu, il est éducatif. C'est-à-dire que, déjà, on résume les grandes idées en France à travers les différentes idées défendues par les principaux partis qui se présentent aux élections. On a parsé, merci Mathilde, et Mathilde et Johan ont parsé les différents partis et les différentes gammes d'idées et les ont réparties. Donc on a ces différents éléments-là, et déjà c'est éducatif de savoir qu'il y en a certains qui prônent le repli sur soi, d'autres l'ouverture, d'autres une politique sociale, d'autres une politique ultralibérale. Enfin là on découvre pas grand-chose. Et en même temps, on a aussi des mécaniques qui apparaissent comme celle du financement. Quand on veut faire un meeting, par exemple, on a besoin d'un lieu, ça coûte de l'argent, on a besoin d'équipes pour le maintenir, on a besoin d'éléments pour le mettre en lumière. Alors, j'ai compris. Etc. Est-ce que je peux poser une petite question à Mathilde ? Parce que je vois que tu aimes bien le micro. Voilà. Je te passe. Alors, est-ce que c'est le premier jeu vidéo que tu fais ? Alors, oui, et ce sera presque même le premier jeu vidéo auquel je vais jouer. Ah, très, très loin, d'accord. Et faut qu'on s'ajuste sur le vocabulaire, parce qu'il emploie des mots parsés. Ou des choses, ah oui, pardon, oui, bah, je suis désolé. Non, mais je pense que la plupart des joueurs ne savent pas non plus. D'accord. Je crois que je viens d'inventer ce mot. est-ce que, donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as dit, les élections, ça se passe comme ça, et eux, ils ont dit, on va garder ça Alors, ils avaient beaucoup bossé en amont, donc ils sont à peu près au même point que moi en termes de connaissances. Moi, Mediapart, je travaille beaucoup sur le financement de la vie politique, le financement des campagnes électorales, l'affaire Big Malion, par exemple. Donc, ce que je trouve super, c'est qu'ils ont intégré dans leur jeu, dans leur bataille pour la présidentielle, des notions qui étaient très peu connues jusqu'à présent, qu'on commence à comprendre avec l'affaire Big Malion, sur comment est-ce qu'on finance une campagne électorale. L'idée qu'il y a un plafond, qu'on ne peut pas aller... Rapprocher un petit peu le micro, voilà, parfait. Aller au-delà de 22,5 millions par candidat, qu'on ne peut pas dépenser plus. Est-ce que c'est dans le jeu, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on est à 23 millions et on a perdu ? Ah non, ce sera plus compliqué que ça. Parce que tu pourras, y compris volontairement, faire payer par les Républicains... Planquer des dépenses ou les déclarer. En fait, c'est Big Malion Simulator que vous avez fait. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Mais d'accord. Ça mêle à la fois l'affaire Big Malion, mais aussi l'affaire des financements du Front National, peut-être d'accord. aussi. Enfin, on essaye d'intégrer. Et c'est passé quoi avec le Front National ? Parce que Big Malion, on a vu un documentaire récemment, mais c'est quoi avec le Front National ? Bah, le Front National, je ne sais pas si tu as vu, il y a deux jours, ou je crois hier même, le parti politique, des dirigeants du parti ont été renvoyés en procès. D'accord. Pour, alors les uns escroqueries, les autres. En gros, ils sont suspectés d'avoir tenté d'escroquer l'État, de se faire rembourser des dépenses de campagne qui n'étaient pas réelles. Voilà, qu'ils avaient. Et ce sont des choses qu'on va pouvoir faire dans le jeu ? Alors bon, là, on va voir. Hein. Je ne sais pas si on pourra aller jusque là, mais en tout cas, il y a des réflexions. Techniquement, c'est intégré au sens où on peut, lorsqu'on fait une dépense, lorsqu'on pose de l'argent pour faire une dépense, un meeting ou quoi que ce soit, on peut choisir de poser cet argent à partir des comptes de campagne ou par un autre financement. Ce qui fait qu'on minore le coût des comptes de campagne. Voilà. Et du coup, on a cet argent, il faut l'avoir, parce que la personne en face s'attend à ce que tu le payes. Donc tu le payes, mais tu le payes en disant « c'est pas les comptes de campagne ». Est-ce que je peux simplifier ton jeu pour les auditeurs ? En disant que c'est un magic dans lequel il y aurait de la mana, mais ce serait de l'argent, et il y a de l'argent légal et de l'argent illégal. En fait, non, tu ne peux pas. D'accord, c'est oui, pas oui, ça. Si. Ah. Si, ça, c'est ça, ça peut synthétiser. Je pense pas que l'analogie se fasse aussi simplement, mais oui, effectivement. Ou un Hearthstone pour les plus jeunes d'entre nous. Au lieu d'avoir des petits cristaux, on a de l'argent qui peut être légal ou pas. Oui, on a de l'argent qui peut être utilisé de manière légale ou non. Ce qui veut dire que. Voilà. Ok, d'accord, voilà. Très tu bien. Tu choisis, le joueur choisit
la manière dont il va dépenser son argent. Soit il l'impute au compte de campagne, et à ce moment-là, ça fait partie de son calcul, et il sait qu'il a une limite de 22 millions à peu près. Soit il choisit de dire cette partie-là, par exemple, les pins, les casquettes et les parapluies offerts aux militants qui viennent me voir à mon gros meeting de Toulon, je vais les passer sur le parti. En fait, je ne me rappelle plus le nom. Votre jeu permet de faire comprendre les mécanismes de financement légaux et illégaux d'une élection présidentielle. C'est ça, et aussi la difficulté que peuvent avoir les candidats, quelle que soit leur volonté de probité, de tout déclarer et de tout faire. Quand on est face à un filou qui fait les choses illégalement et qu'on veut gagner parce qu'on a les meilleures intentions du monde, on est obligé parfois de se salir les mains. Il semblerait. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne peux pas laisser passer cette conclusion. La probité doit toujours gagner. D'accord, la probité gagnera. Voilà. Merci beaucoup, merci Mathilde et Fred. Oui. Voilà. Et puis rendez-vous demain pour voir votre jeu, un dernier polish du jeu, et puis peut-être y jouer. Voilà. Ah mais on espère bien y jouer. Merci beaucoup, merci. Merci. Et tâche d'être à l'heure demain. Oui, toi aussi. Je reçois Maxence, non ? Ben alors on va passer par Tatiana, si elle est là, merci. Tatiana et Sabrina. Alors, Tatiana et Sabrina, pendant qu'elles s'installent, je vais rappeler brièvement leur thématique. Un petit peu moins de bruit, voilà. Donc, Tatiana avait la thématique extrêmement intéressante et, on va dire, généraliste du tirage au sort. Le tirage au sort comme moyen de décision pour apaiser ou diriger une société. Et j'ai vu s'il y en a des... Je ne sais pas si vous avez des petits visuels. Est-ce qu'à la régie, vous avez des visuels Non ? Bon. En tout cas, j'ai vu un petit visuel intéressant de flibustier. Ouais. Parce que, et ça m'a plu parce que les pirates, c'était un peu des gens qui partageaient à part égale les choses, à plus ou moins. Donc, est-ce que tu peux donc me rappeler un petit peu le contexte de ton jeu, donc la thématique et ce que vous avez fait ? Ouais. Donc, thématique tirage au sort donné par Sabrina. Donc, très, très intéressant. Ouais. Donc, le concept du jeu, rapidement, on a décidé de... pas être sur une grosse communauté. On a 4 joueurs sur un bateau. Ils doivent coopérer. Ils ont chacun des enjeux individuels. Et pour chaque action qu'ils vont pouvoir entreprendre, une des actions, c'est par exemple, on a une jauge de faim et on peut crever de faim, littéralement. Ouais. Et ben pour manger, il va falloir que tout le monde soit d'accord, en gros, pour qu'on mange. Et là, ce qu'on va pouvoir déterminer, c'est pas seulement est-ce qu'on est d'accord ou pas pour que notre copain mange, mais comment est-ce que ça va être décidé. Est-ce que ça va être tiré au sort de manière totalement aléatoire? Est-ce que ça va être tiré au sort de manière pondérée? Par exemple, plus t'as la dalle, plus t'as de chances d'avoir le droit de bouffer. Est-ce que ça va être un vote majoritaire? Auquel cas, du coup, on va avoir... tout le monde va pouvoir voter pour savoir si oui ou non, ils sont d'accord pour que tu manges. Donc, il y a un processus démocratique qui détermine la façon dont on va décider. Exactement. La baseline du jeu, c'est choisissez comment choisir. C'est un petit peu comme ces gens, ces monarchistes qui veulent voter pour qu'il y ait la monarchie qui revienne. Très grand pour voilà. Pouvoir ça. Bon, mais est-ce que c'est bien parti? Oui, en termes de prod, on est bien. On n'est pas en retard ou quoi sur notre planning. Donc, soit c'est très bon signe, soit c'est très mauvais signe, je sais pas. Mais... Non, tu réussis des belles choses, donc je pense que ça va bien se passer. J'ai une petite question pour Sabrina. Ouais. Donc, on m'a dit que tu étais passion tirage au sort. Sabrina, passion tirage au sort, non? C'est ça? Non, je ne sais pas si c'est une passion, mais à Mediapart, je m'occupe de toute la partie participative. Donc, j'aime bien l'idée qu'il y ait de nouvelles personnes qui interviennent. Mm-hmm. Et l'idée, ce n'est pas, comme les monarchistes, de rétablir la monarchie, mais d'expérimenter. Mais ils veulent rétablir la monarchie par la démocratie, ce qui est assez vertueux, finalement. Voilà, nous, on est bons joueurs, on essaye de voir ce que le tirage au sort donne, en fait, comme résultat et comme processus démocratique. Alors, c'est quelque chose, le tirage au sort, qui existe, par exemple, dans la justice. Oui, pour les jurés d'assises. Et est-ce que ça marche? Ah, pour les jurés d'assises, oui, ça marche très bien. Les citoyens prennent déjà les procédures longtemps, donc ils ont le temps de se former. Oui. Et tout le monde est très content de participer, les résultats sont très bons. Mais sinon, il y a eu des expérimentations en politique du tirage au sort. D'accord. Notamment Europe Écologie Les Verts à Strasbourg, où ils ont choisi un candidat au tirage au sort de cette façon. Voilà, et qui a eu un résultat meilleur même que celui qui a été désigné par le Front de Gauche. D'accord. Est-ce que le recours au tirage au sort, ce n'est pas un peu une sorte de désespoir dans le processus démocratique? C'est-à-dire que
finalement, on n'a que des mauvais candidats, donc autant les tirer au sort. C'est un peu ça, le truc. Bah, en fait, c'est ça, le début de notre histoire. On s'imagine un monde futur, qui pourrait être assez proche, où les gens n'ont plus envie d'aller voter. Et on n'arrive plus, en fait, à faire fonctionner le vote classique. Et donc, on propose ce jeu pour renouveler la façon de désigner, la façon de choisir. Tous les joueurs, en fait, sont des candidats. Donc, c'est l'allégorie, en fait, tous les citoyens pourraient devenir des candidats. Et on réfléchit sur la mécanique de vote pour que rien ne soit systématique. Est-ce que dans votre jeu, c'est du tirage au sort mathématiques très froid, ou est-ce que c'est le tirage au sort un peu éclairé? Est-ce qu'il y a des variations? Alors, du coup, il y a 5 modes de désignation principaux. Le premier, je vais commencer par là, si on ne répond pas au bout d'un certain temps, oui, c'est abstention. Attends, excuse-moi. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et du coup, on a 4 vrais modes de désignation. Le premier qu'on a appelé le vote majoritaire. Donc là, on va voter et l'action qui a été majoritairement choisie sera celle adoptée. On a un tirage au sort totalement aléatoire. Idiot, aléatoire. Et donc, on a 2 tirages au sort un peu plus intéressants. Le tirage au sort qu'on a appelé pondéré, qui donc est un ratio entre le besoin et la demande. Par exemple, on a une jauge de faim, elle est à 100%. Et bien, si elle est à 1%, tu as 99% de chances qu'on t'autorise à manger. Si elle est à 2%, 98%, etc. Donc, un tirage pondéré. C'est-à-dire que, par exemple, on considère que ta demande n'est pas assez raisonnable dans le contexte. Exactement. Ah, okay. Et le dernier mode de tirage au sort, c'est le tirage qu'on a appelé électif, où en fait un joueur va être désigné aléatoirement par le système pour prendre la décision pour tout le monde. D'accord, sorte de président utopique, voilà. Il y a un petit côté dystopique hein, dans ce qu'on propose, clairement. Et puis il y a l'abstention. Si on ne vote pas, au bout d'un certain temps, en fait, le résultat est l'abstention. Alors, est-ce qu'il y a un petit diable derrière votre jeu qui veut démontrer qu'il y a un système plus intéressant qu'un autre ou une alternative à creuser qui pourrait être intéressante pour notre société? Je peux me... Alors, juste dans le game system en lui-même, donc dans la manière dont le jeu va se déployer, on n'a pas favorisé de mode de désignation et on a hâte d'être à ce soir où, a priori, les choses sont faites de telle manière à ce qu'on ait une première version jouable autour de 11h minuit pour pouvoir tester et voir ce qui se passe. Parce que, comme on en a parlé un petit peu hier, on est parti sur des mécaniques de jeu dites sociales, tout ce qui va être de l'ordre de la coopération, mais aussi du bluff, peut-être laisser croire aux autres que s'ils votent pour ceci, alors je voterai pour cela. Et ça, c'est... De toute façon, c'est très Koh-Lanta. Hein. Moi, quand tu m'as dit j'ai faim, j'ai pensé au riz, tout ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Il y a un peu de... Ou Bear Grylls à sa manière aussi, mais avec la dynamique communautaire. Donc, pas en termes de mode de désignation. Et on a vraiment hâte de tester pour voir. Par contre, ça va être très difficile de finir le jeu à 4. Et ça, c'est voulu, mais ce sera possible. Et ça, c'est une volonté qu'on a depuis le début de dire que, voilà, dans notre discours, ça va être difficile de coopérer de manière à ce que tout le monde survive, mais ça reste possible. Et ça, c'est important parce qu'en termes de discours, ça ne veut pas dire la même chose que de forcer les gens à se faire des... Alors, je voudrais dire un mot sur... Le petit diable ? Oui. Ah, justement, j'allais poser la question, voilà, je veux savoir. Il y a un petit diable, mais on ne sait pas en fait vraiment... S'il peut faire survivre tout le monde ? Voilà. Non, et puis, l'idée, c'est de réfléchir sur d'autres façons de faire. Donc, en jouant, on va se rendre compte si c'est possible de faire autrement, en désignant par du tirage au sort aléatoire. Non, mais c'est intéressant parce que aussi beaucoup de gens se disent... C'est très expérimental, en fait. Nos candidats sont tellement nuls qu'il vaut mieux prendre quelqu'un au hasard. Et ben, là, justement, on va avoir la réponse. Donc, c'est un peu ça. Et pour revenir, toi, tu viens d'affirmer qu'il est possible de gagner. Il est possible que tout le monde survive. Est-ce que tu connais déjà la stratégie gagnante? Alors, non, il n'y a pas de stratégie dominante. C'est juste en termes de répartition. Pas dominante, hein, gagnante. C'est-à-dire celle qui. Est-ce que tu connais la stratégie qui peut assurer la survie de tout le monde? Et tu peux. T'es pas obligé de la dire. Tu peux dire je la connais. Non, mais je peux même la dire. C'est une forme de bienveillance. Oui. On peut la dire. Oui. En fait, c'est pour ça que je revenais sur les mécaniques sociales. Les mécaniques sociales, c'est des choses un peu dures à maîtriser. On en a pas tant d'exemples que ça dans le jeu vidéo. Dans le jeu de plateau, totalement. Du bluff, on en trouve. Il y a pas de souci. Dans le jeu vidéo, c'est plus rare. Et du coup, on va avoir besoin de tester pas mal pour s'assurer que ce qu'on veut mettre en place, c'est bien ce qui va émerger derrière dans notre game system. Alors, on n'a pas tout à fait le temps, mais je suis désolé, je vais creuser un peu le truc parce que je trouve ça intéressant. Comme tu es en train de dire, je suis en train de créer un jeu vidéo où la survie d'une société est conditionnée au fait que tout le monde soit bienveillant les uns avec les autres. Moi, je suis désolé, mais c'est un discours politique que tu tiens. Voilà. C'est-à-dire que tu prends cet aspect... un libéral... pourrait faire le même jeu et dire, au contraire, c'est par la concurrence des uns envers les autres et le fait de penser à soi qu'on peut assurer la survie d'une société. Oui, tout à fait. Je parle de bienveillance parce qu'en fait, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, ça va se jouer en termes de
prendre en compte les intérêts individuels autant que les intérêts collectifs. D'accord. Si tu nies totalement les intérêts collectifs, il y a peu de chances que tu t'en sortes. Et si tu nies totalement tes intérêts individuels, il y a peu de chances aussi que tu t'en sortes. D'accord, très bien. Donc, modération. C'est plus de la modération, trouver un équilibre là-dedans. Et après, ça va se passer en termes de répartition des richesses. Là, effectivement, je pense qu'on peut le dire quand même. Une bonne répartition des richesses, donc des ressources communes à tous les joueurs, permettra de finir tous ensemble bien mieux, bien plus facilement. Il faudrait que tu fasses un mode où on commence, où un est affamé, l'autre a moyennement faim, un n'a pas de faim du tout. Ouais, du coup, ça reproduirait la société française où les uns sont riches et les autres sont pauvres. Tu vois, c'est pas mal ça. On va voir. Escarmouche la semaine prochaine, carrément. D'accord. Merci beaucoup. Merci Sabrina. Merci Tatiana. Merci à toi. Alors, je reçois, s'ils le veulent bien, Maxence et Edoui Plenel pour parler présidentiel. Avec un jeu très intriguant, un jeu de puzzle. C'est ça ? Et c'est toujours un puzzle ou pas ? Parce que ça peut changer parfois dans les game jams. Il y a toujours un côté puzzle, oui, qui est très présent. Ça a changé depuis hier ? Ça s'est simplifié, ouais. On est allé à l'essentiel et on a élégué le superflu pour se concentrer sur la mécanique première. D'accord. C'est bien parti ? Faut demander aux développeurs. Ça va derrière. D'accord. Et on pourrait y jouer demain ? Ouais, on peut déjà s'amuser à déplacer des pièces. Ah, d'accord. Alors, peu de conséquences, mais... pour nos auditeurs sur Twitch, est-ce que tu peux rappeler un petit peu, d'une part, le thème ? Ça, on donnera un petit peu la parole à Edoui. Ouais, voilà. Et après, la stratégie, et puis on verra un peu comment vous allez échanger. Donc, le thème d'abord. Donc, le thème initial qu'on nous a transmis, c'était « Inouï et scandaleux, un journal fait disparaître les élections présidentielles ». D'accord. Donc, de là, on s'est concentré sur la notion justement de disparition d'un système, des élections présidentielles, et de comment on pouvait le traiter. Et suite aux discussions qu'on a pu avoir avec Edoui il y a quelques semaines, et la matière qu'il nous a fournie, on a brainstormé avec le reste de l'équipe, et on est arrivé à ce game concept qui est d'incarner un journal et d'essayer de passer le voir dans le travail d'investigation journalistique, pour démontrer l'inéligibilité des candidats afin d'annuler les élections. D'accord. Alors, vous voyez peut-être sur votre écran, si tout se passe bien, quelques visuels de ce jeu. C'est la première recherche. Évidemment, ils sont juste... Tu as dormi cette nuit ou pas ? Ouais. En Game Jam, tu dors la première nuit, mais à la deuxième, c'est ça ? De toutes les nuits, d'accord. Très bien. Le sommeil, c'est important. 48 heures. Contrairement à ces mythes, en fait, 8 heures de sommeil, ça vaut bien plus que 8 heures de travail. Alors, est-ce que je peux, pour juste donner une idée aux auditeurs quand même de ton jeu, qui est un petit peu abstrait, est-ce qu'on peut dire que c'est un Hearthstone de placement ? C'est un Hiroshima X, mais la référence est trop geek. Ok. Hiroshima X ? Vous m'avez pas dit. Ouais, disons, voilà, c'est un jeu de placement et de compatibilité. C'est un jeu d'échecs et de puzzle. Voilà, un jeu d'échecs. Entre l'échec et le puzzle. D'accord. Et jeu de go. Bon. Ouais. Et ça a l'air d'être sympa, hein, ne fuyez pas. Voilà. Non, mais le but, c'est d'être très abordable, justement. Et si on a choisi la forme du puzzle, c'est parce que globalement, tout le monde a fait des puzzles plus ou moins jeunes dans sa vie. Et donc, on espère pouvoir parler un peu à un grand public grâce à ça. Et la couche go, c'est rapporter un peu de stratégie et d'interaction avec les pièces. Et ne pas s'intéresser uniquement à la connectivité des pièces, mais aller plus loin, d'accord, en donnant du sens aux connexions. Alors, j'ai une petite question pour Edoui. Est-ce que c'est un fantasme d'éliminer un par un les candidats présidentiels pour un média ? Rien de personnel. Nothing personal. Vraiment ? Non, l'idée, d'ailleurs, peut-être que ça s'appelait 2017 n'aura pas lieu. L'idée, c'est que, au-delà des sensibilités, des étiquettes, des convictions partisanes, on sent bien qu'il y a une histoire qui est finie, que c'est ridicule à l'heure de la révolution numérique, au 21e siècle, quand on est dans une culture horizontale du partage, de la relation, de la discussion collective, qu'on puisse livrer notre sort collectif, la volonté de tous, au choix d'un seul. Donc, là, le joueur, il agit par une conviction démocratique. Il n'a rien contre les candidats. Et je ne sais pas de quelle étiquette sera le joueur de ses convictions. Mais il se dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que le peuple invente autre chose. On ne peut pas dépendre d'une personne qui dit « votez pour moi » et puis après, il fait à notre place. Donc là, vous donnez le background du héros, qui est une sorte d'anonymous
Mediapartien, qui a envie de dire basta l'ancien régime et place à la démocratie Internet. S'il gagne, il va l'inventer, la démocratie. Parce que c'est ça sa victoire. S'il gagne, c'est à lui de l'inventer. C'est-à-dire que si on était, par exemple, en 1960, ce jeu, vous ne l'auriez pas proposé. Pourquoi ? Ça a commencé en 1960, la catastrophe. On n'avait pas les moyens, mais on était contre. Donc, on va dire, en 1955, vous ne l'auriez pas proposé parce que... Il y avait d'autres raisons. Il y a toujours. De toute façon, ce sera toujours une bataille. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Hein. D'accord. Mais comment dire ? Cette idée et qui rejoint... Parce que le jeu, c'est cette idée... Un journal, c'est une stratégie du faible au fort. Dans notre équipe, il y a un Australien, comme Julian Assange. Je souligne ça, parce que c'est Assange qui est le premier à dire ça. Mais vous savez que dans votre équipe, il y a un Australien. Il est là. Oui. Ah oui. Ah oui, bah, c'est lui. Je croyais que vous parliez, c'est Mediapart. C'est Mediapart. Je croyais pas que j'avais pas compris. Votre équipe, là, c'est pas Mediapart. On fait le jeu. Là. Ah, bah d'accord. Excusez-moi. Bah voilà. Je suis converti, là. Ouais, d'accord, très bien. Bah, si, vous êtes un développeur. C'est bien. On va vous proposer des contrats. Et c'est Assange le premier, quand il était un peu hacker et tout, qui a dit bon, on est face à ces grosses puissances et tout. Qui sont sans frontières, il faut qu'on invente une stratégie du faible au fort. Où nous, de manière loyale, on n'est pas violent, on n'a que notre arme, c'est l'information. Et on les bombarde d'infos. Dans le jeu, le joueur, avec une rédaction, il va bombarder d'infos, il va rencontrer des obstacles. Il va y avoir les communicants qui vont essayer de l'empêcher que son info prolifère. Il va y avoir des services qui vont essayer de l'espionner, de savoir ce qu'il fait. Il va y avoir toutes sortes d'événements qui va le rencontrer et qui vont compliquer sa tâche. Et lui, il a la boîte à outils de l'enquêteur. Des sources, des documents, des témoignages. D'où l'idée du puzzle. Le puzzle est né de notre conversation au tout début. Ils m'ont demandé de raconter c'est quoi une enquête. Et j'ai dit, une enquête, c'est un puzzle. Quand tu sors un scoop, tu sors tout d'un coup une pièce, la pièce qui s'emboîte. Mais avant, tu as fait toutes les autres pièces. C'est ça, une enquête. Donc, on est parti de cette image du puzzle. Alors après... Donc, les fausses pistes, ce sont des pièces qui s'emboîtent bien, mais en fait, c'est pas, j'allais pas là. Mais c'est intéressant, je vois le truc. Et est-ce que donc... dans ce fantasme de destruction des candidats présidentiels, est-ce que c'est pas une sorte de nouvelle forme d'anarchie, une anarchie douce, on pourrait dire ? C'est-à-dire, c'est libertaire, on pose plus de bombes, mais... C'est libertaire, c'est l'idée que la volonté de tous, c'est notre époque. Il n'y a pas la peine de chercher aujourd'hui, comment dire, nous vivons dans une histoire qui est une histoire collective, qui se fait ensemble. Et moi, je trouve que ce monde politique, au-delà des étiquettes, et lui-même est piégé, parce que quand ils sont dans l'opposition, ils le disent tous, que ce système est terrible. Mais ce système est d'un archaïsme, c'est la préhistoire de la politique. On ne vit pas une culture démocratique comme ça. Donc nous, on est ici dans une culture horizontale de la relation, du partage. On implique ça à un objectif qui est, allez, on débranche et on passe à autre chose. Est-ce que ce jeu, ce serait pas Mediapart Simulator ? C'est-à-dire que je joue à ce jeu, je deviens très bon à ce jeu devient très complexe. Et en fait, je sais comment mener une enquête, je sais attaquer les points faibles, et donc je peux envoyer mon CV à Mediapart. Je peux aussi créer mon journal, je peux faire ma propre enquête, j'espère bien qu'il n'y a pas que Mediapart. D'accord. L'idée, de toute façon, des huit défis, c'est cette idée, et je dis ça parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des tristes cires qui ont dit « Ah, Mediapart, ça y est, ils pensent que la politique, c'est un jeu. » Et moi, je pense qu'il y a... y compris pour ce qui nous concerne de plus essentiel, il faut qu'il y ait une dimension de plaisir. On va au cinéma parfois pour avoir des émotions et être regonflé et tout, au spectacle. Donc, le plaisir, nous-mêmes dans les enquêtes, on ne va pas être hypocrite. Quand on a tout le barrage pendant 4 mois dans l'affaire Cahuzac et tout, y a un jeu. Comment on va percer le mur ? Comment on va contourner ? Comment on va... Il devient votre ennemi, le boss final. Oui, comment on saisit la justice ? Parce que ça fait partie, y compris la justice, à un moment, est un des enjeux du jeu, une des armes que peut requérir le joueur. Donc, c'est dans sa boîte à outils. Donc, cette idée du jeu, c'est aussi cette idée de retrouver le plaisir d'une histoire commune. Donc, je trouve que ce n'est pas se dire au contraire. Moi, ma surprise, quand on s'est rencontrés la première fois, on ne se connaissait pas. Mais là, il faudrait que toute la vieille politique vienne ici. Cette jeunesse-là, elle sait plein de choses. Oui. Et elle est politisée et elle est informée.
et elle peut en leur en remontrer énormément. Et du coup, elle préfère fabriquer des jeux. C'est-à-dire, c'est, plutôt que s'intéresser à la politique. Bah, pas sûr. Elle s'intéresse, elle fait de la politique, là, au sens de l'essentiel, du bien commun, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Edoui. Merci beaucoup, Maxence. Je vous en prends pas plus de temps parce qu'il doit y avoir d'autres personnes, j'ai un petit timing, mais on se voit demain pour le jouer à ce puzzle. Alors, je serai pas là. Ah, je bon. Je serai parti à Tokyo déjà à négocier le jeu. Voilà. D'accord. Mais je serai dans l'avion. Ouvrir mediapart.jp. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je reçois Marc. Marc et Dan. On va parler encore présidentiel. Voilà. Alors, je vais donner le micro à Dan d'abord. Dan, tiens. Non, je voulais dire Marc, mais je me suis trompé, mais c'est pas grave. Parce qu'il est un peu fatigué, il m'a dit j'ai pas trop envie de parler, donc ça sera bien. Voilà. Nuit blanche Ok. Donc, Dan, vous avez un sujet, un thème déjà, qui est les médias et la présidentielle, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà. Alors, le traitement me semblait un petit peu bizarre, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, ce sujet se tient à cœur. Tu as rencontré l'équipe de développement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais dès le départ dit que je pouvais travailler sur plusieurs thèmes, dont les médias. Et Marc, ici présent, avait très envie de parler de l'influence des médias sur une campagne. Donc, on s'est trouvé assez facilement. Est-ce que les médias sont influents sur une campagne? Oui, bien sûr. D'accord. La question, c'est comment? C'est ça, c'est un peu un débat qui nous a animé au début, en tout cas. C'est est-ce que, en gros, un média peut faire gagner son candidat? Est-ce que la machine médiatique peut faire gagner un candidat? Ou, on va dire, de façon un peu moins nette, mais je pense qu'elle est vraiment très, très forte, est-ce que les médias peuvent influencer sur la tonalité, sur le débat, sur les questions qui vont émerger dans la campagne, et donc favoriser des candidats? Alors moi, j'ai une question un petit peu de candide. C'est quand je vois la presse politique française, je vois des gens de droite et des gens de gauche, et ces gens-là ont intérêt à ce que des gens de droite et de gauche gagnent, et donc j'aurais tendance à dire que vu qu'on ne sait pas qui va gagner, les médias n'ont pas trop d'influence finalement. Alors ça, ça peut marcher pour les... On pense qu'en catégorie politique binaire. Ouais. Mais par exemple, les médias qui aiment beaucoup se dire « je suis l'actualité », si tout à coup on décide que l'actualité sait que l'islam est un problème en France, ça, tous les médias vont en parler d'une façon ou d'une autre, mais le thème s'impose. Donc, le thème s'impose, après sans doute qu'il y a des candidats qui sont plus à l'aise avec ce thème que d'autres. D'accord, très bien. Donc, je vais quand même donner le micro un petit peu à Marc, il faut qu'il parle un petit peu, mais après on reviendra à toi, Dan. Donc, avec cette nourriture d'actualité, de stratégie pour faire gagner des candidats, plutôt que de faire gagner ton candidat, tu as décidé « je vais faire un jeu vidéo » et vous êtes parti sur un jeu, alors hier c'était ça, exploration narrative, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Donc... Mais je suis resté bloqué, j'ai pas de candidat. Non, je plaisante, hein, t'inquiète. Alors, tu m'avais parlé d'un bureau, oui. Un bureau de journaliste. C'est ça. Et tu dois prendre des décisions. Quel type de news par exemple, parlons de l'islam ou parlons plutôt des Pokémon, c'est ça? Oui. Mais alors là, pour le coup, faut plutôt demander à Dan parce que Toi, tu fais l'interface et c'est lui qui fait le contenu. Thomas Eden qui s'occupe d'alimenter le contenu. Après, on ne peut pas s'empêcher d'entendre ce qui se fait et de mettre notre grain de sel, nous aussi, parce que tout le monde a des idées débiles pour... Mais alors, par exemple, je pose la question aux deux et celui qui veut répondre, répond. Prenons, je suis joueur, je veux parler, je dis, tiens, on va parler de l'islam. Ça a profité à Laurent Wauquiez, tu vois. Mais un candidat de droite ou de gauche peut rebondir extrêmement habilement sur ce même thème. Je prends parce que c'est justement quelque chose qu'on a vu aujourd'hui. On va essayer de proposer dans pas mal de cas, sur un même thème, deux traitements différents. Par exemple, tu parles de l'islam, mais on va changer, parlons d'une fermeture d'usine. On peut juger que des syndicalistes, que des grévistes qui ont une grève dure pour que l'usine ne ferme pas, on peut dire que c'est, un, aller contre le sens de l'histoire, que ma bonne dame, il faut fermer parce que l'usine est vieille et qu'il faut suivre le sens du progrès. Ou deux, que c'est très bien, de très beau et très noble de défendre l'emploi dans une ville, dans le berceau historique de l'entreprise. Donc on va essayer de laisser le choix de temps en temps, ou voire souvent, aux joueurs pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que les faits ne changent pas. Ce qui change, c'est la façon dont on parle. C'est le storytelling, c'est qu'est-ce qu'on va raconter sur ces faits, quel angle on va donner, quelle lumière on va mettre la lumière sur quoi. Donc on peut carrément créer le Figaro Simulator. On peut créer son Figaro, on peut créer son humanité. Ouais. Voilà. Et... Sachant que dans notre jeu, on va quand même...
normalement, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des chapitres. Et le premier chapitre, il faut faire gagner le candidat classique, mainstream, centriste. Donc on voit un peu quelles idées il faut mettre en avant. On peut faire gagner un centriste ? De droite, pardon, le candidat de droite. Et dans un deuxième temps, il va s'agir de faire gagner un candidat de gauche radicale. Ah. Et là, ça sera sans doute beaucoup plus difficile. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, mais même, pourquoi pas un candidat d'extrême ? Ce serait... On a un candidat d'extrême droite, on a trois candidats. Hein, voilà. Gauche radicale, le centre droit. Extrême droite, c'est le plus dur ou c'est, Oui, mais c'est une ramasse large. Un très bon candidat. D'accord. C'est pas encore équilibré. Moi, je pense que c'est. On va en discuter, mais je pense que ça doit être plus dur de faire gagner la gauche radicale que le candidat d'extrême droite. Ah oui, c'est beaucoup d'accord. plus facile de faire gagner dans dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus facile de porter volontairement ou involontairement, en voulant porter le candidat de gauche radicale. En voulant porter, non, plutôt celui de centre droit, vu les thèmes qui sont. Actuellement développé, c'est beaucoup plus. Ce sont que des thèmes réalistes ou vous avez inventé des choses du style des robots vont remplacer les ouvriers ? Non, ça c'est plutôt réaliste. En fait, on navigue entre. Des robots vont remplacer les journalistes, voilà. Ça arrive aussi, ça arrive déjà aux États-Unis, on peut déjà faire plein de choses. En fait, justement, c'est un de nos problèmes, c'est qu'on navigue constamment entre répliquer la réalité, ce qui est intéressant mais pas très rigolo ou pas très ludique pour jouer. Et aller un peu trop loin, aller un peu plus loin, ou faire des pas de côté pour avoir que quand même les infos qu'on a à choisir soient rigolotes, surprenantes, intéressantes, voilà. Et est-ce qu'on peut, alors j'ai deux questions et après c'est terminé, est-ce qu'on peut choisir que des infos nulles, super neutres ? C'est-à-dire, t'as le journal le plus... Non, on ne pourra pas. On va équilibrer, il y aura des infos qui n'ont aucun poids ou un poids négligeable, mais on a quand même des histoires qu'on a envie de raconter, de développer, donc il faudra quand même, il y a des moments où il y a des jours de la campagne où il n'y aura que des histoires lourdes. D'accord, enfin, donc il y a deux types de choix. Tout ça est à discuter, à affiner, on verra bien, mais je ne pense pas. Il y a deux types de choix, c'est-à-dire il y a le premier choix qui est la thématique, il y a plusieurs thématiques, on va choisir une thématique forte, et après l'angle de la thématique. Oui. Alors, okay. On ne choisira pas toujours les deux en même temps, mais il y aura les deux. Et donc, le but de votre jeu, c'est que je joue beaucoup à ce jeu, je suis un joueur néophyte de la politique, et grâce à ça, demain, je lis Le Figaro et je dis « Ah, j'ai compris comment il joue celui-là », c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ça, alors, ouais, c'est une partie. Ouais, c'est une partie, mais alors, pour moi, c'est déjà une... ça, c'est ce que fait justement Arrêt sur Image, c'est de montrer les trucs... Les biais. Les petits trucs de propagande, même pas les biais, ça montre voilà comment ils font pour. Mais c'est très technique. Nous, ce qu'on fait, c'est. C'est pas montrer les petites arnaques, c'est montrer les tendances de fond. Plus. Ouais. Et, voilà pourquoi ils parlent tous de l'islam. Voilà pourquoi ils parlent tous de la fermeture de l'usine. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est pas comment faire un montage pour qu'on oublie tel détail et qu'on se concentre sur tel autre. Ou voilà, on essaie de pas rester dans les points techniques qui justement masquent le vrai sujet politique qui est derrière en fait. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. On joue à ce jeu demain soir ? Oui. D'accord. On a tous hâte. De toute façon, on vous retrouve demain soir. Et puis, vous me direz ce qu'il en est. Et voilà. J'espère que ce sera un très bon jeu. Merci à Dan. Merci à Marc. Merci. C'est la fin de cette première tranche de présentation. Donc, on a vu 4 jeux aujourd'hui. On était à 14h. On se retrouve tout à l'heure à 20h pour voir 4 jeux. Le jeu de Brice qui était hier un dungeon crawler. Le jeu de Simon, qui était une sorte d'exploration de l'espace de travail du futur. Le jeu de Thomas, qui parle d'un dîner avec Poutine, qui se transforme en polar journalistique un peu étrange. Et le jeu de Nicolas, c'est encore la crise présidentielle, et on est des conseillers, et on peut conseiller le président sur des crises. Donc, ça va être passionnant. Rendez-vous à 20h pour présenter tout ça. Sinon, on se voit, quoi qu'il arrive, demain, à 16h30. À 16h30, les jeux seront presque finis, espérons, touchons du bois. On pourra presque y jouer, j'espère qu'on pourra vous montrer des images concrètes. Et vous pourrez même y jouer donc, dans quelques heures qui suivront le live. Et ils seront très fatigués, donc soyez gentils dans vos commentaires. Vous n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des messages. Il y a également un live sur Mediapart. On essaiera d'y répondre, on collectera vos réponses en même temps qu'on présentera les jeux. Voilà, à demain, merci à tous.